Bonjour tout le monde. Hello. J'ai des lunettes de soleil dans l'ascenseur, je pense que là on est même du ridicule. Aujourd'hui on va chasser du Pokémon. Il est 17h30, je commence ce vlog très tard. Mais je me suis dit que voilà, j'allais vous emmener avec nous dans une petite balade dominicale. Et qu'on allait aller chasser du Pokémon. On est beaucoup trop excités. Et que surtout il fait beau. Il fait très chaud, ouais. On s'est dit qu'on allait aller faire tous les Pokéstops aux alentours. Moi je suis assez près là. Hein? Moi aussi. Attends, mais il me dit que j'y suis déjà passé. Bim, 4 Pokéballs. Mais tu vois, il me dit que je peux pas utiliser mon moduleur. Dans un Pokéstop. Il faut vraiment y aller, je pense. C'est pas possible. Si. J'ai posé un moduleur sur un Pokéstop. Moi j'aimerais bien qu'il y ait d'autres dresseurs qui viennent. Regardez, il est tout content, il a eu un Nosferati. Alors, t'as eu un Nosferati? Ouais, mais il est nul. Lui déjà, je vais le transférer. Vas-y, descends. Au professeur. Voilà, et là du coup, ça te fait un bonbon. Et lui, là, le roucoule. Le plus fort, tu le fais évoluer. Non. Oui. Oui. Attends, bébé, il y en a un là. Il y a un Pokémon là. Je l'attrape. Attends, je l'attrape. Balance-lui des Pokéballs. Regardez-le. Il est à fond. Il m'abandonne même. Il y a un dresseur, lui. Oui, un dresseur, lui. Attention, c'est un dresseur. Il passe incognito, mais on l'a vu. Dresseur repéré. Pour l'instant, on n'a pas de team, du coup, on peut pas savoir s'il faut qu'on soit méchant ou gentil avec lui. Par contre, je suis très vénère, je dois le dire. Quelqu'un m'a piqué mon nom. On m'a volé mon nom. Quelqu'un m'a pris Je ne suis pas jolie sur Pokémon Go, quoi. J'étais désemparée, je dois vous le dire. Oh non! Je l'avais en peluche quand j'étais bébé. Yes! Du premier coup, j'ai eu un petit tard. Là, on a des dresseurs concurrents, au loin. On a trouvé un papa dresseur. Il utilise son enfant pour faire genre je vais au parc pour sortir mon enfant. Mais non, c'est un dresseur. Tous les moyens sont bons. C'est clair, putain. Ouais, je te jure. Bientôt on va voir, tu sais, genre des flics qui demandent des missions spéciales pour aller choper les Pokémon. Vous voyez Sam qui s'éloigne loin? C'est le signe de notre amour qui s'éteint. Il m'a abandonné pour aller combattre une arène. Bon, ça y est, on est rentré de notre petite chasse Pokémon. Bon, il y a toujours Samuel qui est en train de jouer sur le canapé. Mais je bon. Je sais pas, je regarde mes tutoriels pour voir. Pour être meilleur dresseur. Ouais, meilleur dresseur. Ouais, ça, c'est bien toi ça. Enfin bref, c'était assez fun. Je pense qu'on fera ça de temps en temps. Et puis, à mon avis, Samuel va devenir meilleur dresseur que moi. Parce que quand il commence un truc, il ne peut pas s'arrêter. Surtout quand il s'agit de jeux vidéo. Et Juliette qui arrive avec ma petite Brooklyn pour manger des sushis d'anniversaire. Puisque demain, c'est son anniversaire. Enfin, du coup, aujourd'hui, pour vous. Voilà, elle a 25 ans le 25 juillet et du coup comme demain soir moi je serai pas là puisque mes copines m'organisent un anniversaire surprise qui n'est pas très surprise mais elle m'organise un anniversaire pour mes 20 ans qui était donc il y a un moment mais enfin bref ça me fait trop plaisir donc voilà j'ai vraiment trop hâte mais enfin tout ça pour dire que du coup demain soir on pourra pas se voir avec Juliette du coup ça me fait très plaisir ce soir de la voir et... En trinque à l'anniversaire des GG chat la vieillesse non mais la vieillesse approche bois pour oublier. De l'ice tea, du coup, tu vas pas oublier grand chose. Tes pompettes. Doudou, mon amour, elle est où? Doudou a disparu. Brooklyn? Elle est là? Ah non, elle est là. Ah, regarde ce petit cul là, je suis sûre elle allait manger les croquettes de cracotte. Doudou, viens là. Mon amour, tu es où? Oh là là, mon petit verre. Mais toi, alors, c'est dans un mois ton anniversaire, Doudou. Eh oui. Tu fais ta concierge? Regarde cracotte là-bas. Et tu es là à côté. Elle fait trop sa concierge. Et toi aussi? Oh lolo. Est-ce que quelque chose a changé entre les daily vlogs et maintenant? Quoi? Bah non, la porte des chiottes est tout ouverte. Mais qu'est-ce que c'est? Eh, ils nous ont mis 5 sauces. Ouais. C'est quoi ça? 3 pour moi et une chacune. C'est quoi ça? Ils sont pas vraiment lâchés. Hein. Ah, c'est mon truc, c'est mon tataki. C'est ton tataki. Parce qu'il y avait plus de donburi ce soir. J'étais très... Oups. Oh là. C'est ça. Au menu ce soir, un tataki de... saumon, du riz. Toi t'as pris du riz plus sushi quoi, c'est-à-dire que si t'aimes pas le riz, on te fera des frites. Oui mais j'aime aussi les frites. Des frites. Et mon petit chat, elle a pris des petits sushis végétariens plus
crevettes. C'est-à-dire que cette table est un carnage, mais nous allons bien manger. Si vous mangez en même temps, on vous souhaite un bon appétit. Mes petits cœurs, je vous retrouve, il est 21h30, je suis en mode glow de glow, mais là en fait c'est la chaleur, là c'est horrible. Je vous parlais hier de ma peau qui était en mode en ce moment, qui n'allait pas du tout, du coup j'ai décidé de me faire un petit nettoyage et de mettre un masque. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous pour vous montrer un petit peu ce que j'allais utiliser. Du coup je pense que je vais partir sur celui-là, c'est un masque qui est au charbon que j'avais acheté à New York et que je vais mettre je pense sur ma zone T parce que j'ai pas mal d'imperfections en ce moment. Je vais mettre celui-ci du coup. De la même gamme, celui-là c'est le masque rafraîchissant, je pense que c'est pas mal, c'est de circonstance vu la chaleur. Et avant je vais faire le doux polissant crème à micro-grains naturel de chez Clarins, je pense que ça va être un bon petit programme et que ça va faire du bien à ma peau. Bon voilà, ça y est, c'est posé. Non, arrêtez, ne faites pas de screen. Je vous connais de toute façon, vous, ma jolie famille, vous êtes toujours là pour me mettre dans des situations embarrassantes et après je me retrouve des photos comme ça sur Twitter. Oh là là, qu'est-ce que je ferais sans vous. Du coup j'ai posé le orange là, le réveillant, je sais pas quoi, sur les joues. Je me suis arrêtée parce qu'il faut pas monter au niveau des yeux parce que c'est pas très bon. Je pense qu'on va se mater un petit épisode de série ou une petite émission XML le temps que ça pose. Et on se rincera après parce que Sam il n'a pas voulu que je vous montre. Mais je lui ai aussi mis un petit masque. Parce qu'en fait les hommes ils aiment bien qu'on prenne soin d'eux, qu'on leur mette des masques et tout. Ils le disent pas mais... pas croire. Et voilà, on a fini de poser nos petits masques, je les ai rincés et j'ai appliqué un petit peu de crème sur les joues parce que voilà, j'ai la peau tellement sensible qu'il faut bien la nourrir la nuit. J'espère que ce petit vlog vous a plu, je vloguerai demain aussi parce que on continue l'appartement, il y a internet qui va être installé, yes, genre je suis tellement contente, ça se fait plutôt que prévu. Du coup voilà, ça va être top parce que je vais pouvoir reprendre les vidéos régulièrement parce que là franchement c'est un bordel pas possible et ça m'énerve en fait parce que j'aime pas comme ça poster n'importe quand, donc je suis très heureuse de pouvoir avoir internet à nouveau. Et puis moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, à demain du coup, et je vous aime. Mouah.